Je vais m'offrir un peu de méthode. Quand je vois des choses dans la vie quotidienne, mon regard sélectionne ce qui est utile à la relation entre le moi-je et l'environnement. L'autoportrait me propose un moment où je vais pouvoir voir ce qui dans ma vie quotidienne n'a pas forcément l'utilité d'être vu. Je vais obliger le regard à chercher ce qui peut être vu et qui m'est encore inconnu. Bien sûr, je ne vais pas mettre de côté ce qui est évident. Ces choses évidentes vont même engager l'action. Le jeu. Être dans un jeu d'observation curieuse. Quand je choisis un endroit du visage, quand mon regard sélectionne une partie, j'écoute en même temps les parties qui l'entourent. Aussi ces formes, mon regard les transpose en mouvements qui seront ceux de mon pinceau. En explorant ce que je vois, ce modèle docile, ce visage, j'explore aussi les façons, les différentes possibilités du comment on peut regarder une chose. La neige, je vais pouvoir dire qu'elle est blanche. Et pourtant, avec un regard curieux, j'y vois des nuances de teinte. Et ben pour ce visage, c'est pareil. Si je dis il est ceci, et ben je passe à côté de tous les cela. Même les parties, les plus évidentes qu'on pourrait maladroitement qualifier des plus importantes, comme le nez, les yeux, la bouche. Elles sont indissociables des autres. Et toutes les parties du visage sont redevables les unes des autres. Elles ont toutes une égalité d'importance. Il faut oublier comment on les appelle. Ce n'est plus un nez, ce n'est plus une bouche, ce ne sont plus des yeux, ce ne sont plus des oreilles. C'est ce que je vois. Ce que je vois, ce n'est plus le verbe qui le décrit. Ce sont les formes et les textures, les parties molles, les parties dures, le souple, le tendu, que la lumière fait apparaître. Le moi-je devient un œil et une main. Le moi-je fait abstraction du sens de ce qu'il voit pour n'en retenir que ce qui s'imprime sur sa rétine. Le moi-je se transpose en deux dimensions dans un rectangle. Le moi-je se perd dans une illusion de matière transcendante où le verbe est absent.